Les années passent, mais la discographie de Mireille Mathieu figure toujours parmi les plus grands classiques de la chanson française. Mon credo, qu'elle est belle, Paris en colère, ou encore Mille colombes, tant de titres qui continuent d'avoir du succès plus de 50 ans après leur sortie. Âgée de 76 ans ce vendredi 22 juillet, la voix de Mireille Mathieu résonne dans le monde entier, lui permettant ainsi de poursuivre ses prestations à l'international. Mais à une époque, la popularité de la chanteuse était loin d'être celle que connaît depuis plusieurs années. Ainsi, l'ancienne acolyte d'Arnaud n'a pas hésité à user de certaines astuces pour être vue davantage. Nous sommes au beau milieu des années 1970 quand Johnny Stark, l'impresario de Mireille Mathieu, décide de lancer une folle rumeur impliquant Jean-Pierre Foucault. L'objectif? Que les deux personnalités soient au centre des attentions. Et ainsi, qu'elles puissent gagner en notoriété. Son idée? Faire croire à une idylle entre l'artiste et l'animateur. Témoin de la complicité entre Mireille Mathieu et Jean-Pierre Foucault, qui commençait sa carrière sur RMC à l'époque. Johnny Stark a choisi d'organiser de véritables paparazzades afin de faire croire à la presse une nouvelle histoire d'amour, comme évoqué par Ici Paris. Une anecdote particulièrement amusante sur laquelle Jean-Pierre Foucault est revenu sur les ondes des Europe 1 en 2015. C'était il y a très longtemps. J'avais fait des photos et j'étais super content parce que je me disais que j'allais devenir plus célèbre que je ne l'étais. Virgule Stark me disait, comme ça, ça cachera sa liaison avec un riche Mexicain. A-t-il déclaré avant d'avouer que l'ancien agent artistique inventait des histoires insensées. Y compris la plus célèbre, celle avec Mourouzi. De son côté, Mireille Mathieu a toujours préféré garder le silence sur cette histoire.